Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je revois vos cadeaux, cette fois-ci des personnes chauves, ça m'a été énormément demandé, je crois que c'est ce qui m'a été demandé le plus après les deleted users. J'en profite pour placer deux petites choses déjà d'une si, voilà c'est encore la coupe du monde au moment où je poste la vidéo normalement. N'hésitez pas à aller voir dans mes derniers looks que j'ai créé, du coup on l'avait fait en live, on avait créé ce petit look en live pour la coupe du monde bleu blanc rouge, voilà pour ceux qui supportent l'équipe de la France. Et pour ceux qui supportent les croix, désolé pour vous, mais la France va gagner. Je dis ça, mais si gagne vraiment, je pourrais dire que j'ai vu l'avenir. Hein. Et merci beaucoup à Sarah LaSwag02 pour la salutation, merci énormément, n'hésitez pas à l'ajouter, à l'aider. Mais ne l'harcelez pas, s'il vous plaît. Hein. En tout cas, merci beaucoup à toi, Sarah, pour la salutation. Et j'en profite pour passer une seconde chose. Oui, Madame Toilette MSP, donc c'est une copine youtubeuse... qui est également sur MSP, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle a mis une vidéo il y a vraiment pas longtemps là, une vidéo très intéressante, je pense qu'il pourrait vous intéresser vraiment, le sujet est très intéressant, je vous en dis pas plus, mais en tout cas le lien de sa chaîne est en description. Ok, c'est parti, on va pouvoir commencer la vidéo, je parle beaucoup, et il faut trouver, bah en plus c'est les vacances, donc c'est compliqué, mon compte il a un petit peu de mal, tu vois, il galère. Que ce soit en journée ou le matin, de toute manière je lag, donc j'espère que ça va aller pour la vidéo. Mais on est en train de chercher les personnes chauves. Alors souvent les personnes chauves, soit c'est des deleted users, soit ce sont des gens qui ont arrêté d'utiliser leur compte et du coup qui sont transférés, qu'ils ont transféré leurs affaires sur un autre compte par exemple, ou qui se sont fait peut-être même aussi pirater. Donc on va aller voir ça. Bah déjà faudra en trouver, ce serait pas mal. Après à un moment donné j'en avais quand même beaucoup. Mais vu que j'ai joué hier et avant-hier en live avec mon compte, désolé, je suis en train d'avoir le hockey en même temps, j'ai eu pas mal de cadeaux entre temps. Donc j'espère qu'on va quand même trouver des personnes chauves, histoire qu'on ait au moins quelques cadeaux pendant cette vidéo. Sinon voilà, bah là il y a des têtes d'user mais encore ses cheveux. Mais c'est dommage, mais pourquoi t'as des têtes? Bah alors. Alors, et n'hésitez pas aussi à aller voir ma vidéo l'arnaque des tickets VIP. Que j'ai mis il n'y a pas longtemps, peut-être que je la mettrai en fin de vidéo, enfin en fin de cette vidéo, en vidéo proposée. Parce que c'est très très important que vous allez voir cette vidéo, parce que après cette vidéo j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah c'est chiant parce que j'aurais vu ta vidéo genre une journée plus tôt, et ben je me serais pas fait arnaquer. » Donc vraiment allez voir la vidéo, l'arnaque avec les tickets VIP. Nex, arrête de faire du bruit. Arrête de faire du bruit, je sais pas ce qu'il est en train de bouffer mon imprimante je crois. Bon, pour l'instant, toujours pas de personne chauve, à moins que j'en ai loupé, mais je ne pense pas en avoir loupé. Ce serait bien quand même de tomber sur des personnes chauves. Ça fait déjà presque 2 minutes qu'on cherche des personnes chauves. Et toujours pas. Pourtant, j'essaie de cliquer assez rapidement. Bon, aussi, le chargement est un petit peu long hein, quand même. Hein. Faut dire ce qu'il y a. Hein. Allez, où est-ce que vous êtes, les personnes chauves? Vous pariez la première personne chauve sur laquelle on va tomber, ce sera un deleted user. Je parie. Les paris sont lancés. Qu'est-ce que vous pariez? Deleted user ou pas? Moi je pense que ouais, franchement il y a plus de chances qu'on tombe sur un deleted user chauve que sur un non-deleted chauve. Bon. Bon et bien, là je rigole, il y a vraiment genre zéro cadeau. Ah, ça charge un peu plus rapidement là. Ah, faut que j'ai parlé un petit peu trop vite. Ah, bah non. Et bah non, la quinzelle, elle s'est trompée parce que la première personne chauve n'est pas un deleted user. C'est Elisa Lola 18. Merci beaucoup pour ton cadeau. Merci d'être chauve. Merci d'être chauve. Alors, est-ce que je porte... Oui, on va porter pour cette vidéo. De toute manière, juste après, je... Comment dire, je remettrai le look après la vidéo. Le look, voilà, de la coupe jusqu'à au moins, bah, je crois que c'est dimanche. La coupe France-Croatie, donc jusqu'à dimanche en tout cas je garderai le look, voire plus longtemps si l'équipe elle gagne. Là franchement le dimanche 20h le match, je dis 20h mais ça se fait c'est même pas 20h, je ne sais plus à quelle heure, quand le match il aura débuté, à la fin du match si on a perdu j'enlève tout de suite le look, tout de suite, j'attends pas, j'enlève tout de suite le look parce que voilà, je serais trop déçue, je serais en train un PLS en train de pleurer quoi. Et la fille, la première chose à quoi elle pense quand son équipe elle a perdu, c'est d'enlever le look. Bon. Du coup j'ai mal parié, j'ai perdu mon pari, heureusement que j'ai rien parié finalement, c'était juste un pari amical hein, je rappelle, mais allez, prochain ce sera deleted user qui sera chauve, on verra bien, et dites moi qu'est-ce que vous avez parié.
coup, il y a le chien et le chat qui s'amusent. Alors là, elle est pas vraiment chauve. Elle a une calvitie. Donc ça compte pas, on est d'accord que ça ne compte pas. C'est une calvitie, c'est-à-dire qu'il lui manque des cheveux, mais elle est pas totalement chauve. Bon, en tout cas, mais c'est quoi ce look, Danik, voyons, voyons. Et continuons la recherche de personnes chauves. Pour l'instant, bilan, on a ouvert qu'un seul cadeau. Le bilan de cette vidéo, pour le moment, c'est un seul cadeau. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Surtout qu'à un moment donné, j'avais quand même pas mal de personnes chauves. Je crois qu'au niveau du timing pour faire cette vidéo, c'était pas le meilleur. C'était pas le meilleur timing, je pense. J'aurais dû le faire la dernière fois quand j'avais vu qu'il y avait plein de personnes chauves. J'aurais dû le faire. Maintenant, bon, au moins, voilà, c'est marrant. Parce que là, t'es là en train de te dire, mais est-ce qu'il y aura encore des personnes chauves avant la fin de la vidéo ou pas? Tu ne sais pas. C'est... voilà. Bon, on espère quand même, sinon ce serait pas drôle. Ce serait pas drôle. Oh, bah tiens, bah non, j'ai encore perdu, c'est pas un deleted user. Bon, je dirais le prochain, c'est pas un deleted user, comme ça, ce sera un deleted user. Lol. Me connaissant, c'est ça. Me connaissant, c'est toujours l'inverse de ce que je dis. Hein, donc moi je dis, le prochain cadeau qu'on ouvrira d'une personne chauve, ce sera pas un deleted user. Voilà, ce sera pas un deleted user. Et merci pour le cadeau, une petite pelote de laine jaune, merci beaucoup. Et on continue. Oh, merci Andy Raconte pour la salutation. Merci beaucoup. Je te fais un très gros bisou. Merci, merci. Je pense que Andy, elle a peut-être vu que je suis en train d'ouvrir des cadeaux. J'ai un look bizarre. Que c'est que je suis en vidéo. En tout cas, merci beaucoup à toi Andy Raconte. Je te fais un très très gros bisou. En plus, t'as vu, elle a la Goldie et tout. Genre trop belle. Trop trop belle. Merci beaucoup. Gros bisous à toi. Et on continue. Merci, merci. Continuons. La recherche. Citron de quinzelle. Allez, allez. Une personne chauve. Là, non. Faut vraiment que je fasse un tri dans mes affaires. Peut-être que par la suite, je ferai un live tri, genre soit tôt le matin, soit tard le soir quand il y a le couvre-feu. Histoire de trier mes affaires en live. Comme ça, on peut discuter, on peut chiller en live en même temps. Voilà quoi. Parce qu'honnêtement, ça met du temps. Ah bah oui. Ah bah j'ai... Bah non, bah oui, bah enfin, bah oui, bah non, bref, vous m'avez compris. C'est pas un deleted. C'est pas un deleted, donc j'ai gagné mon pari. Au bout de la troisième fois quand même, hein. Bah loulou, tu manges ton bonos? Il y a le chien qui est venu et il m'offre souvent des cadeaux, mon chien. Et je suis allée voir sur internet pour voir ce que ça voulait dire. Parce que je me suis dit, ouais, je comprends pas pourquoi mon chien à chaque fois il me ramène des os. En fait, il me les pose devant moi. Et au début, je pensais que c'était parce que je voulais que je lui jette des l'os en fait. Et je suis allée voir un petit peu sur internet. Et sur internet, il y a marqué que des fois, c'est pas forcément pour qu'on lui jette, c'est juste qu'il veut faire un cadeau parce qu'il pense que ça va nous être utile. Donc merci beaucoup, Nex, pour ton os, mais je ne le mangerai pas. C'est pas trop le genre de truc que je kiffe, quoi, tu vois. Moi, à la limite, tu me ramènes un Big Mac, tu me ramènes, je sais pas moi, une canette de Coca, tu me ramènes un Big Tasty. Là, il y a pas de souci, tu me ramènes même une frite, je la mange. Il y a pas de souci, Nex. Mais ton os, je ne le mangerai pas. C'est mort. Je ne mangerai pas ton os. Non. Après, ton os, il est très bon quand même. Tu peux le manger, toi. Pire, c'est qu'il est assis, il me regarde en mode « Mais mon os, prends mon os !» Et moi, je suis « Non, je mangerai pas ton os !» Ah bah, c'est un deleted user, mais bon, j'avais pas parié. J'avais rien dit. Mais enfin, pour toi, ma merci. Bah, désolé, hein, deleted. Du coup, je peux même pas remercier le pseudo, parce que du coup, c'est deleted user. Et bon, si je remercie deleted user, je remercierai beaucoup de monde, quand même. On a ouvert combien de cadeaux? 1, 2, 3... Je crois qu'on a ouvert 3... Non, 4 cadeaux. 4 cadeaux, ouais. Parce que j'ai réussi au bout de la troisième fois, donc celui-là, c'était le quatrième. Donc on a ouvert 4 cadeaux. Seulement. C'est pas beaucoup. Oh, elle fait peur! Oh, elle fait vraiment peur. Ah, elle a le même look que j'ai créé pour le défi aléatoire camping. Ah, j'adore les défis aléatoires. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore les défis aléatoires. Et là, continuons. Et là, je ne trouve rien. Pas de chauve. Que des cheveux, que des poils sur la tête. Des poils sur la tête, non mais j'ai craqué quoi. Non mais j'ai totalement craqué. Bon, ça va encore parce que je suis assez contente, puisqu'on est en début d'après-midi. Et je ne like pas trop. Donc ça va. Franchement, pour des vacances en journée, ça va. J'arrive à faire la vidéo. Mais en même temps, je me suis connectée en mode furtive, j'ai rien dit. En mode, bon, on va directement commencer par faire la vidéo dès que je me connecte, histoire de pas trop laguer. En mode ninja. Je suis un ninja.
et continuons. Qu'est-ce que t'as mon chien chiant? Il se tape un fixe, le chien. Il ne dit plus rien. Bon, je pense qu'on va s'arrêter au prochain chauve. Et là, je dis que ça, la vidéo, elle va durer une heure parce qu'on va tomber sur personne. Et en plus, je crois qu'il y a mon frère qui doit passer. Ah oui, merde, j'ai oublié que mon frère devait passer. Du coup, si je coupe la vidéo en mode on n'attendra pas le prochain chauve, c'est normal. Ah bah voilà, bah super, on est tombé sur une chauve qui a offert plusieurs cadeaux. Une chauve, c'est trop bizarre de dire une chauve. En tout cas, merci beaucoup Alice. Bon, c'est pas une délétaine, hein. Hop, on va mettre ça. On va tout mettre. Et attends, on va tourner la page. Hop, on revient pour voir s'il y a eu plus de 3 cadeaux ou pas. Ouais, donc là, elle m'a offert 6 cadeaux. Donc on ouvre ses derniers cadeaux pour finir la... Non, je vais te taper avec la tête de robot, Alice. Ça va pas. Ça ne va pas. On va offrir les derniers cadeaux de Alice et puis on va finir là. Donc comme d'habitude, vous pouvez bien sûr proposer dans les commentaires quel jour vos cadeaux vous voudriez que je fasse prochainement. J'essaie de prendre, de faire les jours où les cadeaux les plus demandés. Voilà. Et bah écoutez, voilà, on a ouvert tous les cadeaux des personnes chauves là jusque maintenant. Donc en plus je pense que je n'en ai raté aucun, c'est assez rare hein, quand j'en rate aucun. Bah écoutez, moi sur ce je vais vous laisser, je vais vous faire de très gros bisous et je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain live. Bisous à vous, ciao ciao.